Bonjour. C'est à combien de kilomètres là, de Paris? 300 kilomètres à peu près. On a mis 1h30 pour venir. 1h30, et alors ça s'est bien passé? Très bien, très très bien. Qu'est-ce que vous venez faire ici aujourd'hui? La journée de la femme. La journée de la femme? Et alors pourquoi les femmes sont pilotes aujourd'hui? Bah voilà, on vient bah, pour voir un peu les journalistes, faire un peu de, enfin parler un peu de nous, de ce qu'on fait, comment on le vit, et puis voilà. Et en plus je suis au milieu, tu sais. Toutes les trois du troisième âge. Tout à fait, oui. Toutes les trois pilotes. Moi, non, mécanicien. Moi, je suis mécanicien héros. Et vous êtes toutes les deux sur Gazelle, hein? Tout à fait, oui. Et c'est quelle escadrille, hein? L'escadrille d'hélicoptère de reconnaissance, c'est l'escadrille d'hélicoptère d'attaque. Bienvenue en musée d'hier. Vous prenez des gens avec vous? Je prends des gens avec moi quand je suis sûre qu'ils ne vont pas avoir peur et s'agripper aux commandes, parce que si quelqu'un s'agrippe aux commandes, moi j'ai pas la force de récupérer des commandes et je vais pas me cracher avec quelqu'un. Il y a beaucoup de femmes qui savent piloter au genre d'avion? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Non, je sais pas. Et alors, d'où ça vous est venu de piloter cet avion? D'abord parce que je suis passionnée d'aviation depuis des années, que j'avais envie d'un avion un petit peu particulier pour faire de la voltige, et puis que je le trouve beau, quoi. Voilà, c'est un avion ancien, c'est un avion de collection. Ça impressionne les garçons? Ça impressionne, c'est un effet d'enfer. C'est mieux qu'une Ferrari. Mais bon, après, ça suffit pas. Ouais, d'habitude, c'est les garçons qui ont les Ferrari, les avions. Bah ça, ouais, mais écoute, oui. Vous étiez de permanence de veille au-dessus de la France, au-dessus de cette partie de la France? Non, j'étais avec deux collègues qui étaient de permanence. Ah oui, d'accord, très bien. Voilà. Bon. Et alors, vous venez faire quoi aujourd'hui ici? Eh bien, écoutez, je viens fêter les 100 ans du premier brevet féminin délivré en France. Oui. Donc, et puis, comme chaque année, pour la journée de la femme, au musée de l'air et de l'espace, au Bourget. Vous êtes combien de femmes pilotes dans l'armée de l'air, vous avez? Alors écoutez, pilote... Globalement, je ne sais pas. Exactement, ouais. Je ne sais pas, parce que ça évolue. Pilote de chasse? Pilote de chasse, on est à peu près 11. 11 en escadron opérationnel. Oui. Alors, je veux dire, c'est un métier comme un autre? C'est un métier... Bah écoutez, moi je connais que celui-là. Oui. Donc je vous dirais que c'est un métier comme un autre. Maintenant, j'imagine bien que ça fait rêver du monde. Oui. Voilà. C'est un métier fantastique. Oui. C'est-à-dire, vous y trouvez quoi comme plaisir, comme... Tout ce qu'on peut trouver dans un métier, il y a à la fois des relations humaines qui sont très fortes, une aventure humaine énorme, et en même temps de pouvoir piloter un avion en plus comme le Mirage 2000, c'est à la pointe de la technologie et c'est fantastique. Il y a à la fois de l'aventure, du risque, mais en même temps beaucoup de professionnalisme parce qu'on est quand même dans l'armée de l'air et que c'est un métier avant tout. Vous êtes aussi ici pour parler aux autres femmes, aux jeunes filles, pour leur dire de faire la même chose que vous?
Ah, je vais pas leur dire ce qu'elles ont à faire. En revanche, c'est sûr que si elles veulent faire pilote de chasse, je leur dirai que c'est tout à fait faisable et que c'est un métier fantastique. Je peux avoir votre nom, votre prénom, votre grade, s'il vous plaît. Capitaine Marie Mac.